Bonjour, donc je vais rester près de la table parce que celui qui va présenter, c'est Arnaud, qui est étudiant à l'IUT Réseau et Télécom de Mont-de-Marsan et qui développe, donc pour cette première partie, sur la partie utilisation de robots pédagogiques Timio, qui développe les activités dont je vais vous parler maintenant. Alors, je ne reviens pas sur Persévérant, j'avais prévu une planche, mais ça ne sert à rien, ça a déjà été fait. Donc, en ce qui concerne la partie landaise du projet Persévérant, nous, on se préoccupe de regarder l'impact sur la persévérance de l'utilisation des robots pédagogiques, des petits robots que l'on programme. Voilà. Pour faire ça, on a décidé d'utiliser différents types de robots en fonction de l'âge pour regarder si les impacts étaient les mêmes. Donc, on commence par un petit robot qui s'appelle Bluebot pour tout ce qui est maternel et CP. Puis on bascule sur un robot Dash avec l'appui d'un site d'apprentissage de la programmation séquentielle qui s'appelle code.org. Et puis on bascule sur du Timio avec différents types de logiciels de programmation qui vont du plus simple, VPL, au plus compliqué, textuel, en passant par du Blocky qui ressemble beaucoup à du Scratch qui est dans notre académie très recommandé au niveau du collège. Voilà, alors donc pour ces robots, on a développé des modules, notamment on s'est appuyé pour Timio sur ce qui était fait par Emmanuel Page, par InniRobot, l'Inria, etc. sur Timio, mais on a développé des modules aussi pour les autres robots. On a mis au point les formations pour les enseignants, et là on a eu un gros soutien de la DS2N 40 qui a vraiment mis tous ses moyens en place, et notamment l'équipe IRUN, pour réussir à développer ces aspects-là. Cette année, par exemple, on a formé 39 enseignants. Et puis on fait de l'accompagnement en classe sous forme de projet ASTEP. Donc ASTEP, ça veut dire accompagnement en sciences et technologies. Oui, il n'est pas là, mais je l'ai bien dit. Le gars qui s'en occupe, qui me tire les oreilles chaque fois. Accompagnement en sciences et technologies en école primaire. Voilà, pour avoir la légitimité de rentrer dans la classe en tant que non-enseignant du primaire. Et puis être là juste en tant qu'expert et surtout pas l'initiateur de la séquence pédagogique. C'est l'enseignant qui reste maître à bord. Et puis donc, une fois que tout ça a été fait, cette année, on a 800 élèves qui sont passés sur nos modules. Eh bien, on est en train, comme l'a dit Anne tout à l'heure, la recherche a une temporalité assez longue. Donc, on est en train de développer les protocoles d'observation pour pouvoir avoir les résultats sur la persévérance. Voilà. Alors, l'idée pour nous, ce n'est pas vraiment de regarder la persévérance en faisant de la programmation. On est obligé de le faire, bien sûr. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse, c'est de voir l'impact de l'utilisation d'un robot sur la persévérance dans les autres matières, dans les matières transversales. Les mathématiques, la technologie, bien sûr, les langues, les sciences artistiques, il y en a d'autres. Bref, c'est d'essayer de trouver des activités qui puissent s'appliquer, utiliser les robots dans ces matières-là. Et en particulier, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir quelque chose qui soit en lien fort avec les programmes pour pouvoir co-construire avec les enseignants des activités qui puissent s'approprier et mettre en œuvre très rapidement dans leur classe. Et donc, je vais donner la parole à Arnaud qui va vous présenter une activité de ce type-là que l'on a testée il y a 2 jours, donc c'était il n'y a pas longtemps, en classe de 6e. Qui utilise un robot, le robot Timio, qui danse. L'activité s'appelle Timio Danse. Et que l'on va utiliser sans programmer pour faire des mathématiques. Voilà. Donc je laisse la parole à Arnaud. Donc, dans cette activité Timio Danse, notre Timio il devait suivre un circuit avec une ligne noire qui était dessinée. Et donc, le long de cette ligne noire, il y avait des codes barres qui étaient disposés. Et chaque fois que Timio y lit un code barre, il devait exécuter un pas de danse différent. Ouais. Donc cette activité, on l'a adaptée au programme de maths. Et ce qui est bien, c'est qu'à l'intérieur, il n'y a pas de programmation. Donc on peut la donner à n'importe quel professeur qui a envie de le faire. Il peut le faire même s'il ne sait pas programmer.
Donc l'objectif, c'est de faire danser Timio en rythme avec la musique. Donc toutes les quatre mesures de la musique, il faut qu'il y ait une lecture du code barre, que le Timio fasse un pas de danse et qu'il se déplace jusqu'au code barre suivant. Donc les temps de lecture et les pas de danse, ils sont déjà créés dans le programme. Donc les enfants, ils n'ont pas à les créer, mais ils auront les mesurer expérimentalement plus tard dans l'activité grâce à des logiciels. Et il n'y a que les déplacements pour seuls les temps de déplacement sont à calculer pour placer correctement les codes barres le long de la ligne. Donc dans la première partie, toute la première partie, ça se fait en une heure, la deuxième partie aussi. Donc en tout, c'est une activité de deux heures. La première partie, c'est tout ce qui est mesure à partir des fichiers audio et vidéo. Donc en premier, on leur fait mesurer la durée des quatre mesures. Après, on leur fait calculer le temps total du tour de piste. Après, on leur fait mesurer la durée de la lecture du code barre. Ensuite, on leur fait mesurer la durée de chaque pas de danse. Et après, on leur fait calculer le déplacement entre deux codes barres successifs. Et une fois qu'ils ont calculé tout ça, dans la deuxième partie, on leur fait mesurer la vitesse du Timio. Et grâce à la vitesse du Timio et le temps de déplacement, on peut leur faire calculer la distance entre deux codes barres. Et à partir de là, ils peuvent positionner les codes barres sur la piste et tester si tout est bien synchronisé avec la musique. Je complète, hein. Là on est en plein dans le programme de 6e avec des calculs, des protocoles de mesure de grandeur physique, des calculs de proportionnalité, des calculs de pourcentage, etc. Donc c'est ça qui est réinvesti par rapport au programme de mathématiques mis en place par l'enseignant. Donc ça c'est la vidéo de l'activité qu'on a fait il y a deux jours dans le collège. Une fois qu'elle a arrêté la vidéo, tu vas taper le cursor avec ta souris, toi tu peux le redéplacer comme tu veux pour le mettre au bon endroit. Et là on va les noms. D'accord ? On peut se regarder, mais tu peux le placer comme tu veux. Attends, je vais le faire tout doucement pour voir juste le moment où il s'allume en rouge. De mesure la vitesse. La vitesse, c'est quoi? Comment la mesure la vitesse? Distance divisée par temps. Pas mal ça. Distance. Donc on va se fixer une distance là. On va faire avancer Timio. Et on va regarder le temps qu'il a mis pour parcourir cette distance. Et si je prends la distance et que je divise par le temps qu'il a mis, je vais trouver la vitesse. C'est ce que tu m'as dit. On est d'accord? Donc, j'emprunte le crayon papier on va prendre 30 cm. Ok. Ah oui, je vais faire 2 fois 15. Ah ah. Vous êtes d'accord, j'ai fait 30 cm. De ce trait-là jusqu'à ce trait-là, il y a 30 cm. Je vais m'aller mettre une là au départ. Je vais appuyer. On va demander par exemple à Timothée de prendre le temps. D'accord, le chronomètre. On va attendre que Timio arrive là. Et quand on verra que le nez de Timio arrive à ce trait-là, ce petit trait-là, on dira top. Donc Timothée arrête le chronomètre. Ça donnera le temps. Et après, on divisera 30 cm par le temps.
Juste une fois plié. 3, 2, 1, top. Attention. Presque arrive. Presque arrive. Là, il a raté. Elle nous dira qu'il a raté. C'est pas grave. Sans trop le partage. Ouais. Donc ça, c'est un exemple d'activité qu'on a fait. Donc cette activité, elle offre un grand... elle se positionne sur deux cycles, donc le cycle 3 et le cycle 4. Et elle propose un grand nombre de transversalités. Donc il y a le problème de technologie, donc tout ce qui est codage et lecture de code barre. Tout ce qui est artistique, donc créer les danses, créer comment on les positionne, les couleurs du timio, tout ça. En mathématiques, calculer les distances, les temps, faire de la proportionnalité. Et on pouvait même tracer des courbes de vitesse et de déplacement. En physique, il y a tout ce qui est mesure expérimentale de vitesse et déplacement et découverte des protocoles de mesure. Et donc cette activité, elle est co-construite avec l'UPPA et les établissements partenaires. Et donc on donne l'activité, on crée d'abord nous l'activité, ensuite on la teste, voir si c'est faisable et tout ça. On va faire une démonstration en classe. Et après, c'est les enseignants qui prennent l'activité, qui la personnalisent pour l'adapter comme ils veulent. Donc voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup et bravo.